Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a un plaisir pour chacun d'entre nous qui nous sommes à la maison et vous connaissez à la maison. Et nous là, ce matin, dimanche matin, ensemble avec vous, pour louer, adorer, bon Dieu, nous passer un bon moment dans la louange et l'adoration. Et nous passons directement à la parole de Dieu. Et nous connaissons que et ce dernier temps, et le Premier ministre a été causé, mais tu as envie de porter à courtement avant qu'il nous rende le message. Le Premier ministre t'y a informé qu'il peut faire l'extension de le couvre-feu, c'est qu'il ne pourrait en confinement encore. Et moi, j'ai envie de porter ça avec vous, c'est que nous gardons le calme, nous, en tant que enfants, mon Dieu. Et pour moi, personnellement, toute décision qui vient là-haut, Dieu est dans un upper hand. Dieu est dans le contrôle de toutes les choses. Et ce qui me vous demande, vous, maintenant, que pas un tracas de rien, faites Dieu confiance. Et moi, pour moi, personnellement, mon opinion personnelle qui me donne, vous, me trouve que c'est une décision sage, parce que et même dans les autres pays, comme on a fini tirer le couvre-feu, fin tire le confinement, nous trouvons que ça virus a une réfanée encore. Mais vous pensez que nous gardons-nous dans le calme et nous gardons-nous dans la tranquillité. Et comme la Bible dit, c'est dans le calme et que la confiance, là qui nous la force prêter. Amen. Mais toujours là avec vous, nous sommes là et tous ceux qui ont besoin de nous pour la première fois, soyez là bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes à la maison. Mais avant toute chose, et nous vous disons Dieu merci, nous pour, si vous êtes en famille, nous joignez nous coster avec nous. Et l'église, il commence dans la famille. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous. Nous pouvons nous des uns des autres à la maison. Nous trappons-nous la main. Si tu es tout seul à la maison, si tu as un iPhone avec toi, pose la main le téléphone. Nous sommes avec toi. La Bible dit qu'en deux ou trois, les rassemblés. Et dans plus qu'une l'église, des multitudes parmi nous, nous payons ensemble pour nous mettre nous la main ensemble, pour nous prier. Aujourd'hui, nous prions, nous disons à Dieu merci. Ok, nous disons à Dieu merci pour cela, grâce. Merci, accorde-nous cette grâce-là. Et nous sommes capables, puis en colère, qui le confinement, puis capable et externe, mais mon envie, j'ai plein d'affaires. Trouve la grâce de Dieu que à Maurice, ça, virus, ça, pas fin répandre. Je connais pourquoi? La raison est simple. Je connais pourquoi? À cause de la prière. À cause de tout, nous fin prier. La Bible dit nous comme cela, c'est un injuste Dieu pour épargner. C'est où la prière? Pas juste la prière demande l'homme de Dieu. Non, nous tous ensemble. Nous tout le monde ensemble. Nous fin, mettre nous l'équerre ensemble. Nous fin prier. Et Dieu fin faire ce qu'il y en a pour y faire. Amen. Et ce matin, nous pour mettre l'équerre ensemble, nous pour glorifier le nom de l'Éternel. Et nous vous disons, Dieu, merci pour cela, la grâce qu'il nous fait de nous. Merci pour la gloire qu'il nous fait et permettre qu'il nous l'a ce matin. Et nous pour glorifier. Nous trappons-nous la main des uns des autres. Et nous disons, Dieu, merci ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me priez-toi. Merci pour mon mal frère, mon mal soeur qui est là, qui est à la maison. Papa, dans sécurité, ton garde. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous protège, nous. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, me priez-toi pour la parole. Me priez-toi, Seigneur, de pour chaque week-end qu'il a. Me priez-toi pour l'amour agapé, l'amour divin, la communion fraternelle. Me priez-toi pour chaque membre de la famille, Seigneur Dieu. Me priez-toi pour chaque, Seigneur Dieu, Papa, membre de l'Église. Me glorifiez-toi, Seigneur Dieu. Papa, ce matin, nous sommes là pour glorifier ton Saint-Nom, pour exalter-toi, pour louer-toi. C'est une grâce, Seigneur Dieu, Papa, d'être dans ta présence pour louer-toi et exalter-toi. Merci Père, merci Jésus-Christ. Amen. Si tu es à l'église, c'était l'heure pour lire la Bible. Moi, envie qu'ils se tournent dans la Bible. Moi, pour faire lire, parce que moi, pour trouver ça. Mais qui nous cavent. Et non, nous la Bible avec nous, ça, c'est moi la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, pensez qu'ils n'ont pas oublié ça jusqu'à nous retourner à l'église. Ok. Et nous la Bible, pour parler, tout ce que même dire. Dieu pour change nous la vie tous les jours quand nous costez plus près avec lui. Amen. Et nous rentrons directement dans la parole de Dieu. Nous verrons nous la Bible dans le livre de Marc, chapitre 11. Le livre de Marc, chapitre 11, le verset 12. Marc 11, 12. Le livre de Marc, chapitre 11, le verset 12. Amen. Moi, Tanzot, et moi commence la lecture. Je me gagne ce matin. Amen. Moi faire la lecture. Le livre de Marc, chapitre 11, le verset 12. Et puis, moi, vous faire le verset 20 à 25. Moi, il a dit, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvera quelque chose. Mais s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Important, dans la Bible, souligné, dit, Jésus-Christ vint vers l'arbre, il trouve que des feuilles, dès qu'il y dit, quand ce n'était pas la saison des figues, prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Le verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, et Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi,
qui veut dire « Maître, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole et nous vous prions que le Saint-Esprit lui aide nous pour nous recevoir cette parole et dans cette prière de dire, Saint-Esprit, que cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre dans la vie aujourd'hui. Nous disons à Dieu merci pour cette parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, notre Église, nos membres de l'Église, les nouveaux, les nouvelles, nous sommes là devant toi, Papa. Et me glorifier toi que tu as aujourd'hui nous là pour écouter à tes paroles. Seigneur, merci de nous permettre qu'il nous tue nous là, Papa, pour louer, glorifier, magnifier ton Saint-Nom. Et me le dire à toi, merci pour la vie et la vie en abondance, tu nous donnes nous. Père, me prier toi pour cette parole. La parole est capable, la bonne semence sur la bonne terre. Saint-Esprit, I need you, Lord. Holy Spirit, I pray. And I pray, God, aujourd'hui, que la parole n'est pas comme Seigneur Dieu, Papa, Seigneur, comme le feu dévorant. Seigneur, the people will be like, could it consume? Merci pour toute la grâce. Moi, mène dans le monde spirituel. Seigneur Dieu, Papa, à l'existence, la gloire, la divine puissance de l'éternel. Mansi, miracle des prodiges. Et me cause ce matin, Seigneur, me lier tout mon esprit qui veut refaire l'attaque. Et mon esprit de distraction, de lourdeur. Et mon esprit, mon mauvais la langue, mon mauvais parole. I bind it in the name of Jesus Christ. Et nous tous nous dire Amen. Mon vite en faux, nous tous nous dire Amen. Gloire à Dieu. Et mon partage l'histoire, c'était l'histoire que nous tous nous connaissons, cette histoire. Et que Jésus-Christ y allait, il trouve un arbre. Et quand il trouve ça arbre-là, c'était un figuier. À l'époque, dans Israël, c'était un figuier. Et ça, un figuier-là, il utilisait pour un fruit. Mais Jésus-Christ allait, il pas trouve le fruit, nous tous nous connaissons l'histoire, on fait élaborer. Il maudit cette orbe et nous a trouvé que là, cette orbe vient sécher et Jésus-Christ donne nous quelque chose qui est important pour nous. Et aujourd'hui, moi, pour partager une affaire vraiment importante avec vous qui l'a aujourd'hui. Moi, explique vous quelque chose. Dans la parole de Dieu, nous fait clair, nous trouvons que Jésus-Christ, final, envers un orbe. Nous tous connaissons, guette-moi bien, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il connaît tout quelque chose. Lui-même, il crée tout qui tient. Le livre de Proverbes, il dit, quand Dieu t'y crée la terre, lui-même, il tient surface, si tu peux tenir le globe de sur la main, il peut jouer avec tout ce monde créateur. Le livre de Proverbes, il écrit cela. Jésus-Christ était là pendant la création du monde, pendant la création de toute quelque chose. Mais ce qui m'a plus envie de partager avec eux, Jésus-Christ, il m'a et pour moi, regarde qu'est-ce qui se passe. Il vient côté un arbre, il trouve un arbre, il trouve feuille dans l'arbre là, mais il n'est pas envie de trouver fruit. Mais m'a envie de partager des affaires, la parole, il dit, c'était pas les saisons des figues. Ça, l'épisode-là, puis arrivé dans le mois de mars et avril, c'était le mois de Passover, la Pâque que Jésus-Christ y a, et dans le temps que tu peux monter vers le temps. Mais quand il allait, la saison de man figue, c'était le mois de juin et de juillet. Bon, vous venez là à la fin du message. Mais aujourd'hui, mon vieux explique, je t'aime quelque chose. Jésus-Christ, le maître, le roi, finit envers un arbre, un figuier qui passe saison, il finit une fruit avec lui. Les pannes finissent trop fruits de sa figuée-là, les maudits sa figuée-là finissent. Pour moi, il y a une question bien drôle. Jésus-Christ, il vient envers un homme qui passe saison pour les gagner fruits, les pannes finissent trop fruits de là. Mais ce qui m'a bien envie de partager avec eux, il y a une leçon. Nous tous, un camarade à côté de toi, soit tous toi-même, dis, il y a une leçon qui Jésus-Christ a envie de faire moi comprendre là-dedans. Qui Jésus-Christ a envie de faire moi comprendre là-dedans? Et il y a une raison spécifique qui Jésus-Christ finit envers là. Jésus-Christ me pensait quand il crée une figuier, il connaît c'était l'époque qui pour gagner une figue, c'était le mois de juin. Mais pourquoi il finit à avoir un fruit et il y a une petite chose qui nous appelle dans la parole de Dieu, un parabole soit un exemple. Jésus-Christ finit dire, si il dit à Nicodème, le livre de Jean, chapitre 3, si tu n'as pas compris quelque chose en bas, mais comment tu peux comprendre quelque chose là-haut? L'élème nous dit, Dieu envie, explique-nous une petite chose dans ce message aujourd'hui. Et il y a une petite chose spécifique pour chacun d'entre nous. Et il y a des petites choses qui, quand Jésus-Christ finit aller le lendemain, comme la Bible finit dans le livre de Marc 11, Pierre finit aller, il trouve cet arbre sec. Et quand Pierre finit trouve cet arbre sec, il finit envers cet arbre, il dit, Seigneur, guette ce qu'il te finit dire.
Ce qui m'a pris envie aujourd'hui élaborer, c'est une parabole qui Dieu envie. Jésus-Christ envie explique nous une petite chose là-haut qui existait pour et qu'un exemple pour une petite chose qui arrive en bas. Ce qui m'a pris envie de partager avec vous aujourd'hui est normalement un exemple qui Jésus-Christ envie fait nous trouver. Et aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, fin vient en vain or et fin trouve cet or. Et quand il trouve cet or, il a envie de montrer nous des trois petites choses qui nous pouvons élaborer aujourd'hui. Quand il finit de vous gagner toute la réponse, ce que Jésus-Christ finit de dire, qu'il peut démontrer dans la réponse avec Pierre. Et qu'il dit à Pierre, il dit à Pierre comme cela, première chose qu'il dit à Pierre comme cela, si tu es dans la foi, et comment la grève ou tu es capable de déplacer ma montagne. Deuxième chose, il parle du pardon. Et pour moi, je vais dire que le mot point de mon message, c'est que Jésus-Christ peut montrer, premièrement, la foi ne faut pas aller dans la saison. Beaucoup de monde est dans une saison de foi. Quand il arrive novembre, décembre, la foi a monté. Quand il arrive janvier, février, la foi a baissé. Jésus-Christ, il dit, peut montrer que ça, ma petite chose, ne faisait pas et en saison. La foi, il faisait toute longue de l'année que tu étais dans les moments, le moment le plus haut, les moments que tout a fait correct, le moment le plus bas, quand tu peux mordre dans une vallée, dans un moment difficile, de la foi, bien pareil. Les saisons de la foi ne faisaient pas les saisonnières. Il faisait tout le temps, toute longue de l'existence, te garde de la foi. Au contraire, mon content d'y aller au niveau de l'église, un petit d'y aller, quitte la foi, il build up. Build up fait, il est construit. Il vient de gloire en gloire. C'est ce qui nous appelle, et dans la Bible, nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. More than conquerors, c'est que we build up, nous montons. Conquer and conquer. Monter, gagner, monter, gagner. Qui dans la vie ne nous pas retenir, retourne pas derrière. Mais qui nous a construire vers le meilleur quelque chose qui est là. Amen. Si tu crois dans cela, tu te même dire, me crois, qui m'a besoin de garder la foi stable. Amen. Maintenant, je continue, je explique ça dans quelque chose. Et dans deux choses qui m'ont pu élaborer, Dieu finit dire, Jésus-Christ finit dire, qui la foi et le pardon. Vous pourrez que ça dit quelque chose là, aujourd'hui. Je pas pour intéresser. Et explique en détail la foi. Parce que pourquoi je désaccordais, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, ok? Et c'est une petite chose que je crois. La foi simplement dans un petit contexte simple, je crois, je confiance pour faire ma grande petite chose avec mon Dieu. Mais aujourd'hui, je peux arrêter loin de point. Le deuxième point, Jésus-Christ finit parler, il cause de la foi. Le deuxième point que Jésus-Christ finit parler, Jésus-Christ parle du pardon. Et aujourd'hui, je vais arrêter un petit peu là. Et ma base de mon message aujourd'hui, c'est sur le pardon. Frère, mais qui fait le pardon? Je vais rendre le message d'aujourd'hui. Je vais en prière. Et je vais clairement me donner la voix du Saint-Esprit qui me dépose dans mon équerre. Parle du pardon. Je vais expliquer pourquoi. Dans cette période de confinement, nous à la case. Et je vais être franc avec vous, c'est que le Saint-Esprit fait révélement mon partage avec vous. Beaucoup de mon foyer en friction. Beaucoup de mes parents ont un problème avec les enfants. Beaucoup de mes belles-filles ont un problème avec belle-mère. Maman a un problème avec Zan. Pourquoi? Parce que tout le monde il trouve dans l'environnement serré. Et je vous explique ça aujourd'hui. Qui peut arriver dans le monde spirituel? Qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction qui arrive, le diable concentré sur l'attaque, loin une place spécifique pour lui dérouter ça. Je vais prendre un exemple pour vous être capable de comprendre. Quand tu es dans la venue de Jésus-Christ, Hérode t'a tué tous mes enfants en bas des ans pour exterminer ça. Après chaque prophétique season. Et moi vraiment quoi, moi je peux partager ça avec un frère l'autre fois là. Moi vraiment quoi, nous donne prophétique season. Quand là quelque part, Dieu peut shifter ma bénédiction vers son peuple dans sa man époque là même qui arrive ça. Ok? Et moi pas pour rentrer en détail, mais dans sa man moment là, le diable fait beaucoup l'attaque. Et fait beaucoup l'attaque, qui que ce soit, dans ou la vie, dans ou finance, dans tout qui se met aujourd'hui. Je parle de où l'environnement serré, dans où l'environnement côtoyé à la maison. Et je parle de ça que beaucoup d'entre vous sont capables de remarquer, vous avez un problème avec madame, nous cause franc, dans un foyer pénant tout le temps, et des roses qui est jetées dans des fois, et dans ma circonstance, ma situation, beaucoup de fois, mes enfants peuvent faire mauvais la case, peuvent avoir un problème, et dans ma frottement, et dans ma petite chose qui peut gagner avec belle-mère, cousin, cousine, voisin, voisine. Aujourd'hui, je pourrais se lancer à ce sujet-là aujourd'hui. Qu'est la Bible dire? Aujourd'hui, je pourrais expliquer une petite chose. Nous, en tant qu'enfants bon Dieu, nous sommes la lumière du monde. Et la Bible vient montrer nous que nous sommes la lumière. Et la lumière n'est pas une place que tu prends en lit, comme Jésus-Christ vient dire. Je prends en lit, je casse en bas de la table. Jésus-Christ vient dire, si tu es la lumière, prends-toi, pose-toi loin de la table, tu es capable d'éclairer.
Un autre exemple que Jésus-Christ vient prendre, il dit tu es la lumière, tu dis prends-toi, prends la lumière, pose-y loin de colline pour se tout qu'à trouver. Et il y a une différence qui toi tu as besoin de faire dans sa prophétique season là. Et il y a une différence qui toi tu as besoin de faire dans sa man moment là. Tout le monde l'oppression. Quand on peut guetter le chemin, ou peut trouver tout le monde pour aller vers la cité de man affaires, ou capable quand on coye qu'un dit monde est tout travers, parce que tout le monde est en bas de pression. Si vous êtes dans pression, ou un enfant bon Dieu, ou pas capable de bouger par pression, mais vous êtes bougé par le Saint-Esprit. Le livre de Galates 5, 22 dit comme cela, c'est le fruit de l'Esprit, il y a 9 fruits de l'Esprit qui nous aident tout le temps énorme dans nous la vie, ça, 9 fruits de l'Esprit là. Et aujourd'hui, le pardon, tout ce que même dire le pardon, et dans 3 niveaux de ce message que nous parlons, 3 levels, qui m'ont dit 3 phases de ce message d'aujourd'hui là. Et aujourd'hui, nous pourrons sur le pardon. Et aujourd'hui, je connais qu'il y a beaucoup de monde qui dit vraiment prophétique ce qui nous peut parler aujourd'hui. Peut y a une friction, peut y a un problème, pas peut agir une situation où voisin peut capable prendre ce linge, peut mettre sec l'eau ou l'eau mirail, ou tout le monde peut capable, peut faire tout le monde a fait, sorry l'expression entre guillemets, incroyable mais vrai. Mais pourquoi? Parce que nous dans un moment que the darkness, et un moment que la lourdeur dans le monde spirituel peut envahir, pareil comme le jour du Passover. Quand la Pâque, l'ange de la mort, tu peux passer. C'était un moment de pression, un moment de vraiment de difficulté. Nous, exactement là-dedans. Et nous, bien comme God, nous. Et aujourd'hui, je vous parle du pardon. Je vous parle du 3 phases du pardon. Fin capable d'avoir un problème d'un foyer, dans la case, pays un store. Je connais quand nous avons une vidéo, just downloaded from heaven, comme on va te dire, et en soit forward, soit play, soit stop. Pays ça, stop là, je vous dis. Arrêtez. Arrête de penser, arrête toi-même. Rentre dans toi-même ce matin. Et rentre dans toi-même aujourd'hui, nous pouvons examiner. Ce qui nous peut faire aujourd'hui, nous pouvons examiner nous-mêmes. Laisse cette parole rentre dans toi-même. Accepte cette parole. Laisse la Bible. Moi, pas à cause de mots paroles. Non, écoute ce que la Bible dit. Laisse cette parole digère dans ton cœur. Et aujourd'hui, il y a 3 phases du pardon qui nous pouvons guetter. La première phase du pardon, nous ouvre la Bible aujourd'hui. La première phase du pardon, c'est le verset est pareil. Le livre de Matthieu. Pardon, le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 15. Et nous pouvons ouvrir le livre de Marc, qui nous fait lire là, nous gardons le livre de Marc 11, verset 25. Mais on vous montre les autres avant de l'avant, le Matthieu 6, 15. 11, 25. Marc 11, 25. Après, nous parlons de Matthieu 6, 15. Amen. Première phase. Bon, on a 3 phases pour couvrir la première phase. Qu'est-ce qu'il dit? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, lisez-le bien dans ce contexte. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Première étape du pardon. Moi, explique-je. Ce n'est pas l'étape, phase. Première phase du pardon. Moi, explique-je. Je vous comprends comme mon père. Première phase du pardon, c'est que toi, tu as quelque chose contre ton camarade. Je vais prendre l'exemple. Un dimoun, par exemple, toi, non, tu es venu et toi, tu blesses. Ok? Dans ce moment, combien de dimoun tu es capable de blesser? Mon père juge-toi ni accuse-toi ce matin, mais mon père ouvre tes pensées pour te faire comprendre. Beaucoup de fois, nous blessons Mandimoun. Et la Mandimoun, c'est offensant dans ce même ça. C'est-à-dire que dans le contexte de Manjeune, on appelle ça, c'est Mandimoun qui ne dit pas qu'à fréquenter. C'est tout le temps là, c'est venu pour offense-toi, pour blesse-toi, pour déstabiliser-toi. Si tu es cette personne aujourd'hui, c'est le temps de te changer. Arrête blesse ton camarade, arrête offense ton camarade, parce que toi-même tu es gris dans toi et ça va te sortir. N'est pas vigne de Dieu, parce que Jésus-Christ vient dire, contente prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, première phase, c'est que nous qui gagnent, qui beaucoup de fois nous blessent des autres. Get la Bible, première phase, premier step, premier et outer layer qui nous peut aller. Beaucoup de fois, toi-même te blesses beaucoup du monde. Amen. Je vais prendre un autre exemple qui la Bible dit à toi. Si toi, tu es un qui te blesse des autres, tu es obligé de pardonner. Première étape qui concerne toi, dis moi. Tout ce que toi-même dis moi. Moi, je suis obligé qu'on pardonne du monde. Et il y a des fois, je blesse mon du monde. Et il y a des fois, où faire ma revanche. Je vais prendre un exemple pour qu'elle comprenne. Écoute, je vais parler. Just downloaded from heaven. On déjà trouvé un du monde et on blesse 20 ans de cela. Après 20 ans, on trouve lui, on a l'Angleterre, on retourne, on vient à Maurice, on zoigne lui. Comment on tape sur la peau, comment il guette ou comme ça, il ferme sur la peau, il n'a pas envie de cause à vous. 20 ans! Comment un dialogue, d'habitude, dire 20 ans marin, mais jamais vu la mer. Mais si je peux porter une affaire avec vous, premier quelque chose, c'est qui est important, ou bien qu'on relâche quelque chose dans la vie. Et pourquoi relâche quelque chose dans la vie, je peux venir vers ça et je peux rester un petit peu là, vous êtes capable de comprendre. Beaucoup de fois, il y a un monde qui fait une blessure.
est fin offense ou quelque part, ou premièrement, ou bien relâché. Premier qui chose, c'est que si one dimon ou peut garder qui chose dans l'équerre, soit ou fin blesse dimon ou bien arrête ça. Et ce qui ou premièrement qui ou bien faire, bon pour fin l'eau là, Dieu dit comme cela, ou bien pardonner. Tout ce monde dit, ou bien pardonner. Maintenant, bon pour fin l'eau un point bien important. Le pardon, comme Jésus-Christ fin vin ven figue, il trouve un figuier, figuier là, c'était pas seul l'époque sa figuier là pour gagner un fruit. Jésus-Christ fin dire qu'il te sait là-dedans même. Maintenant, Jésus-Christ peut vous faire comprendre, te pardon peine en saison. Tout le temps, tu peux bien pardonner. Si tu as une friction, tu allais à la fin de ce message, réconcilie-toi à la maison avec tes missiers, réconcilie-toi avec tes enfants, réconcilie-toi avec tes voisins. Et il est important pour que toi, tu ne blesses autre. Si toi, tu ne blesses autre, pardonne-toi. Première étape, c'est pardonner. Maintenant, frère, mais qui faire? Je vais bien pardonner, l'issue. Et je peux expliquer toi aujourd'hui comment ça se passe. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui pour être capable de comprendre. Je désattrape téléphone, je téléphone à Dimoun. Quand je téléphone à Dimoun là, je suis capable, il me blesse quelque part, il y a quelques mois de cela. Quand je trappe téléphone, je cause avec lui, il n'a pas envie de cause avec vous. Mais aujourd'hui, je partage un kick à ces personnes, à ces affaires, à ces personnes. Je connais quand tu n'as pas pardonné, nous pas ouvert la Bible, un petit moment, nous pas arrêter. Quand tu n'as pas pardonné, il y a une petite chose qui arrive dans la vie. Et je peux expliquer toi qui arrive toi. Nous venons de la Bible d'un livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 15. Matthieu 6, 15. Amen. Et le titre de ce message aujourd'hui est une leçon, la leçon d'un figuier. A lesson from the fig tree. Ok? 6:15. Une leçon d'un figuier. Amen. A lesson from a fig tree. Et aujourd'hui, premièrement, c'est la foi. Et nous désenconnaissons pas pour rester sur la foi, mais pour rester beaucoup sur le pardon aujourd'hui. 6:15, il dit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et aujourd'hui, si tu n'as pas pardonné, premier pardon, c'est qui toi-même. Toi-même, tu as une offense, Mandimoun. Maintenant, à l'envers, Mandimouna, et demande à Mandimouna pardon. Pourquoi? La raison est simple. Si tu n'as pas pardonné, le Père dans les cieux, pas pour pardonner toi. Et moi, pour expliquer-toi bien, le livre de Hébreux 4, 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce qui nous capable d'être secourus dans tous nos besoins. Pour nous capables d'avoir grâce devant Dieu, nous besoin nous-mêmes approche-nous devant Dieu. Et regarde qui la Bible dit à toi, une seule façon pour t'approcher-toi devant Dieu, c'est Dieu pardonne-toi. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Et si Dieu est un Dieu de sainteté pour t'approcher-toi envers lui, tu as besoin le pardon de tes péchés. Et Dieu qui dit à toi, la Bible, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puis dire, si tu pas pardonne aux hommes leurs offenses, le Père si pas pour pardonne à toi qui ne péchais contre lui. Et dans un joli épisode de cela, quand Jésus-Christ expliquait, nous verrons la Bible, un petit moment nous pouvons nous la Bible, Jésus-Christ expliquait que, et qui nous a fait et comment nous a pardonné. Et il y a quelque chose qui me partage avec toi aujourd'hui, là que tu étais, à la maison que tu étais. Pour te gagner accès auprès du Père, tu as besoin de pardon. Et pour moi personnellement, mon franc et l'église de garde la franchise pour ça aide Mandimoun. Beaucoup de mandes chrétiens, je te la prière, n'a pas fait monde vers le ciel parce qu'il y a un manque de pardon. Parce que pourquoi? Comment je suis capable de venir vers Dieu si Dieu ne me pardonne moi de mes péchés? Mais beaucoup, si tu peux garder qui tu as dans ton équerre, te sais, blesse-toi 10 ans de cela, tu n'as pas fait cause avec lui au téléphone, telle tes affaires, mais tu la prière même pas fait monter. S'il vous plaît, pas offenser en ce qui m'a fait dire aujourd'hui. Jésus-Christ, il parle. Regarde Jésus-Christ, il dit qu'il y a un qui a le donné de la zoula. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, je vais prendre notre exemple, nous habitué à dire ça. Jésus-Christ, quand il a la croix, il peut mourir. Donne-moi bien, il y a une révélation de Dieu. Il connaît quand mon fils blesse-le, qui lui dit à mon Père, pardonne-leur parce qu'ils ne connaissent pas qui ils peuvent faire. Qui fait Jésus-Christ, il dit ça? Jésus-Christ connaît, il peut mourir. Et Jésus-Christ connaît, s'il ne pas pardonne les autres, il pas pour gagner le ciel. Waouh! Regarde cela, comment ça se fait. Parce que Jésus-Christ nous donne une révélation directe. Pardonne-leur. Le Fils de Dieu nous bizarre, il donne-nous un exemple. Il montre-nous le chemin. Et il y a pourtant aujourd'hui qui toi te bizarre relâcher. Pardonne-leur. Si, moi habitué à dire ça, si tu n'as pas pardonné, il n'est pas pour faire ton camarade du tout. Il est pour faire toi du tout, toi qui l'as aujourd'hui. Le premier phase, c'est que toi, toi-même, te blesses, Mandimoun. À l'envers, je te demande de pardon. Je te la même ce matin. Amen. Je continue aujourd'hui et je m'explique une petite chose. Deuxième phase,
Dieu pardon. Première fois, c'est qu'il peut te blesser du monde. Frère, mon papa demande l'italien, mon bouvino là. Tout ce que même d'italien. Mais tu te poses. J'ai talent petit moment de vous tous à ce sujet là. Amen. Premier stage, mon dire, si tu peux blesser les autres, demande pardon. Sinon, tu la prière pas pour monter, il peut bloquer toi dans ton avis et te trouver qui toi te pour bloquer ton papa de l'avant. Ça nous trouve beaucoup chrétiens encore en place. Ils ne sont pas capables de déboucher, ils ne sont pas capables de l'avant. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne peux pas pardonner. Amen. Deuxième nouvelle de la Bible. Moi, envie de lire, d'ouvrir sa verset d'amour, extrêmement envie. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 23. Amen, amen, amen. Vous espérez, et vous êtes à la maison, vous êtes bien confortable. Dieu bénisse vous. Dieu bénisse cette nouvelle. Moi, quelqu'un qui peut joindre avec nous. Coucou, Dieu bénisse vous. Et nous connaissons, nous pour catch up avec vous très bientôt. Par la grâce de Dieu, pour la grâce qui nous est capable de faire. Le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 23. Amen. Suivez ça bien. Follow qui me donne cette information, mon petit Djali. Follow, vous êtes capable de comprendre. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, regarde Jésus-Christ qui dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère, puis viens et présenter ton offrande. La chose, deuxième phase du pardon, c'est que maintenant, pas toi qui ne blesse les autres, mais les autres qui ne blessent toi. Ok, les autres qui me blessent toi, frère, il ne fait pas beaucoup d'ito. Écoute-moi, regarde Jésus-Christ qui dit, si tu permets offrir ça, tu connais qui te ferait une petite chose. Il parle de toi qui toi te blesse. Tu connais qui te ferait une petite chose contre toi. Toi, allez te laisser l'offrande là, allez réconcilier toi, après tu reviens de te l'offrande. Waouh, regarde qui Jésus-Christ dit. Jésus-Christ montrait sa chemin là, il dit, si un quelqu'un il blesse toi, réconcilie avec lui avant de venir offrir te l'offrande. Au niveau de l'église, nous avons fait ça. Maintenant, ce qu'il y a petit connu dans l'église, comment on a petit fait, quand nous joignons le matin, nous allons nous pratiquer le parvis, nous allons nous joindre nous tous les uns des autres pour nous capables de rebuild. C'est une raison qui nous fait aller nous build. Si un quelqu'un pendant la semaine nous cargue une friction, réconcilie-toi avant qu'il te lève, te la mette, te louer, adore mon Dieu. C'est ça le but de joindre des uns des autres. Maintenant, vous pouvez arrêter l'eau là. Beaucoup de mon frère, il me blesse moi beaucoup. T'es obligé de pardonner. Peinant aucun chemin à sortir. Au niveau de l'église, nous habitons d'y aller et je te connais. Nous tous nous connaissons ça. Demande n'importe qui membre de l'église, nous habitons d'y aller. Nous manons machine à pardonner. Nous obligé de pardonner. Nous peinant aucun choix à pardonner. Parce que pourquoi? Si tu n'as pas pardonné, il n'est pas pour faire ça le dimouna du tout. Mais il est pour faire toi du tout. Toi du tout dans la santé. Toi du tout dans la vie spirituelle. Toi, du tout, de te la manche avec Dieu, et toi, toi-même, te pour prendre quelque chose qui part de toi, du diable, te pour mettre dans ton équerre, il est capable d'affecter ton salut. Amen. Je t'amène ce matin. Mais continuez maintenant. Mes frères, mais il me blesse moi tout le temps, il me blesse moi tout le temps. Écoute-moi. Nous pourrons ouvrir un chapitre, et nous pourrons lire ensemble le livre de Matthieu 18, verset 22. Amen. Le livre de Matthieu 18, le verset 22. Matthieu 18, le verset 22. Ouvrez-les ensemble avec moi. Amen. Parce que nous comptons, base-nous le ce qui nous est là pour dire. Base-nous le ce qui nous est là pour dire. Le verset 21. Vous êtes gagné? Frère, mais combien de fois vous avez pardonné? Chaque fois, diminue les blessements. Nous vous écoutons la parole. Écoute-moi, je ne vais pas prendre dans le sentiment aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. Si la Bible dit pardonner ou pardonner. Si la Bible dit humilier ou humilier. Si la Bible dit relâcher, relâcher. La Bible dit au garde du saint. Ou bizarre garde du saint. Pas moi qui vous une sens de la Bible. Nous interprétons la Bible comment l'y interpréter. Nous pas pour interpréter la Bible comment nous en vivons, mais comment la Bible en vit était. Amen. Regarde qu'il dit. Je vous dis encore et le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-t-il 7 fois? Jésus-Christ lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois. 7 fois, c'est 70 fois. 7 fois, mon multiplié fait 490 fois dans un jour. Amen. Si un quelqu'un veut venir envers toi et demande toi pardon, tu es obligé de pardonner. Le mot O, avec un O capital, tu es obligé de pardonner. Amen. Et c'est ça que Dieu appelle toi pour obliger de pardonner. Et il y a une différence entre God qui te sauve de te l'équerre, te dire oui. Me dire oui, moi, me pardonner, mais non, relâcher. Relâcher complètement pour qu'il soit capable de toi. Moi, prends ça d'exemple là, et l'amitié enseigne, et ma jeune aussi, l'une des enseignes autres par rapport à ça. Si elle me prend un exemple, moi, tu prends un exemple, vous êtes capable de comprendre. Si un démon vient, les coquins ou quand la banque, il tire tout ou casse, ou pardonne-lui, oui. Mais c'est moi, ou pas répondre quand la banque ou redonne-lui.
ok, ou laisse-les, ou content-les si demain il peine à manger, il a un problème, il bizarre à l'hôpital, il prend ou aller, ou faire tout ce qu'il a pour faire. Mais on ne peut pas faire confiance pour protéger, pour garder, pour ne pas faire mal les autres qui sont. Ça, on appelle le pardon, et nous, bien connaît beaucoup de fois maintenant qu'il me pose question, mais comment se fait? Bon, pas pour rendre ça sujet-là, mais bon, pour stick aujourd'hui, combien de fois on peut pardonner? Ou bien pardonner nos prochains? Et quand vous continuez à suivre, ou continuez à suivre ça, l'enseignement que Jésus-Christ vient de dire là, il prend un exemple, il lui donne une parabole, que tient un homme, et cet homme, il t'y doit un roi, il t'y doit un maître, et plus qu'il soit sans talent. Un talent, moi, je explique tout un affaire. À l'époque ancienne dans Israël, maintenant, il y a mon drac, mon mine et mon talent. Talent, ce n'est pas un talent qui m'a mis la guitare. Non, 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 ce n'était pas ça. Un denier, moi, vous venez là intimement. Un drac, c'est une journée de travail. Une journée de travail, moi, prends l'exemple, actuellement, une journée de travail, c'est 1000 roupies. Un mine, c'est 1000 dracs. OK? Dans un mine, moi, j'ai 1000 dracs. C'est que dans un mine, c'est 1000 par 1000. Fais-moi environ 1 million roupies. Et dans un talent, moi, j'ai 60 000. 1 million multiplié par 60, c'est 60 millions roupies. Waouh! Ok, maintenant, je commence à trouver la Bible en réalité, comment il était. Maintenant, cet homme, l'inal verse à les rois-là. Les rois-là finent pardonner parce qu'il y doit ça, les rois. Les rois, il n'y a pas fait un mot efface. Mot efface toute dette de 60 millions roupies environ. Je ne m'en explique pas. Je ne vais pas dire 60 millions roupies. Je vais prendre l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Il finit face ça, et quand il peut sortir le chemin, il peut aller, il joint un de ses camarades qui doit aller quelques deniers. Et Jésus-Christ, dans le temple, dit là-bas, maintenant tu amènes-le, maintenant tu poses la question sur les taxes, il dit amène un denier. Il amène un denier. Denier, c'était le plus petit l'argent qui existait, et dans le contexte de la parole, c'est qui étudie la parole, c'est quelques dollars, il dit quelques dollars, il n'est pas cher, ok? Ce camarade doit aller quelques dollars, il trappe sur le cou, il pèse, il dit de rendre-moi tout mon casse. Il fait un kicken, il fait aller grâce, il coupe tout ce dette de environ 60 millions roupies. Lui, un autre kicken doit aller quelques choses, il pèse sur le cou, il dit aller. Là, là, regarde qui Jésus-Christ expliquait dans sa parabole-là. Sa maître-là finit tendait et il finit en colère, qui lui finit face à une dette de 60 millions, ça n'a droit. Un petit qui chose, qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est une illustration du ciel. Il prend sa michée, qu'il paye son camarade sur la goza, il met dans la prison, jusqu'à il paye du tout. Ok, qui Jésus-Christ peut redire? Il dit, si le Père dans les ciels, il ne pardonne pas toi, moi, un vil, moi, un pécheur. Si moi, Dieu, il ne pardonne moi tout ça, erreur qu'il m'a fait là, est-ce qu'il ne m'a pas pardonné un petit erreur qu'il m'a fait aussi à faire? Si dans ton foyer aujourd'hui, tu gagnes friction, pardonnez. C'est ton devoir. Parce qu'avant de te lever, de la main, de te prier, pour nous personnellement, nous sommes 500 au niveau de l'église, avant qu'ils te rentrent dans la prière, avant toi dormir, passe-te la vie en revue, grand-mère te fait lever, révise-te la vie en revue, demande Dieu pardon, vive dans la sainteté, vive dans la propreté, pas blesse qui qu'aime, pas offense du monde. Si du monde fait une offense, toi, pardonnez. Je te la même ce matin, et cet homme, Jésus-Christ, fait le montrer, il fait être lavé de sa grande dette-là, il n'est pas qu'à pardonner le dette d'un petit qui qu'aime. Et aujourd'hui, la deuxième phase, c'est que si un kikane, il blesse toi, si toi tu es innocent, tu es obligé de pardonner. Frère, moi innocent, il blesse moi. Non, non, toi l'envers lui. Moi, pour être franc avec Zot, nous apprenons ça et nous gardons lui et nous témoins, nous faisons lui, mon serviteur bon Dieu, nous faisons lui, nous faisons lui, nous connaît. Combien de gens qui blessent nous? Nous blessent, maintenant qui blessent nous. Mais nous allons, nous allons envers Zot, nous causons Zot, nous réconcilier. Et Zot dit, nous capons cause avec Zot. Zot blesse nous, mais nous pardonnons Zot. Parce que pourquoi? Pour ça, pas faire un blocage dans la prière. Car il est écrit, si mon père pardonne le péché des autres, le Père dans les cieux, pas pour pardonnement de vos péchés. Et il est important aujourd'hui, relâchez. Si ton maman, ton papa, ton gain de problème, ou pas connaît, just downloaded from heaven. Si tu pétonnes moi, ton maman, ton papa, fin fait déliger, le frère, fin donne pas, tout ça l'a quitté la terre, à le réconcilier toi, à le remettre la vie correcte. Ton maman, ton papa, pas pour là-bas longtemps. Allez, please, je ne connais pas pourquoi I'm urged by the Holy Spirit. Le Saint-Esprit peut pèse moi pour me dire aux autres, je ne peux pas connaître à qui cela adressé. Ton problème, ton friction entre frères à cause de l'héritage, à cause d'un problème effacé. Toi, humilie-toi, et la Bible claire, si tu humilies toi, lis Dieu, l'élévation pas mine de l'homme. Dieu lui-même lui pour élever toi. Quitte tout cela de côté, allez, réconcilie-toi, remets tes affaires correctes, tu te sentiras beaucoup plus bien. Tu me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bien. Amen. Première phase, toi, habitué, blesse du monde, allez, au nom de Jésus-Christ, et moi pour dire, arrête, cause, nahi,
dans la vie du monde. Amen. Vous connaissez le prier. Bon, espérez, moi, bien dire ça, moi, là. Arrête cause n'importe. Arrête blesse du monde. Arrête offense du monde. Arrête critique du monde. Il faut faire toi du tout, mais il pas pour faire ça du monde là du tout. Parce que quand un quelqu'un, la Bible dit qu'un malheureux crie, Dieu fait justice. Si tu blesses un quelqu'un, ça quelqu'un a crié vers le ciel, Dieu pour faire ce justice, parce que Dieu peut dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. S'il te plaît, toi qui fais tellement aujourd'hui, allez réconcilier. Deuxième phase, si un quelqu'un te pas fait nanier, quelqu'un n'a fait blesse toi, allez, allons vers cette personne, allez, allez réconcilier toi. Et aujourd'hui, qui te famille, Yensel, foyer, la case, enfant, refais tout vinen, vinen la lumière. Te connais quand tu pourras bestonner une grande bénédiction. Me passe un challenge à Zodzodi. Si tu regardes quelqu'un de te l'équerre, al relâche, te pour connaître comment il y a la paix interne. Qui envahit la vie, te sentis toi extrêmement bien dans la joie, te sentis toi extra bien. Mets ça en pratique ce matin. Amen. Amen. Bon, continuez. La troisième phase de ce qui m'a pour partager aujourd'hui, je connais mon cause comme ça, vous êtes capable de comprendre. Bon, pour expliquer là intimement. Les jours, dans la vie de notre vie de tous les jours, nous avons une petite chose qui est vraiment dangereuse. Bon, pour expliquer bien clair ce matin, avec ma illustration, avec mon exemple, vous êtes capable de comprendre. Mais nous allons ouvrir une portion de la Bible que tu as un quelqu'un qui s'appelle Achitophel. Ok? C'est dans le livre de 2 Samuel. Achitophel, c'était un conseiller de David. Quand Absalom fait la révolte contre David, il quitte David, il tchale envers Absalom. Mais mon vie montre une phase de l'histoire. Amen. Nous venons de la Bible. Nous venons de la Bible, 1 Samuel, chapitre 17, verset 23. 1 Samuel 17. Samuel 17. Pardon, 2 Samuel 17, s'il vous plaît. 2 Samuel 17, verset 23. 2 Samuel 17, verset 23. Pardonne-moi pour 1 Samuel, c'est 2 Samuel 17, verset 23. Je vais faire la lecture, ok? Tu as deux personnes, vous élaborez, tu as Hushai avec Achitophel. Hushai, c'était un quelqu'un, c'était un quelqu'un qui te peut donner le conseil à David. Mais quand David finit, connaît qui Absalom pour faire la vengeance, il quitte finalement. Achitophel finit rester, mais c'est moi, David qui quitte Hushai. Hushai, c'était un quelqu'un qui était vraiment attaché avec David. Mais David finit dit comme cela, reste là-bas pour détourner le plan. Dans Achitophel. Achitophel, c'est quelqu'un quand tu peux donner un conseil, les tu m'as dit bon Dieu, t'idée à l'époque quand tu peux donner un conseil. Tout cela est écrit dans la Bible, le verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne parti pour aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et il l'enterra dans le sépulcre de son père. Amen. Mon cause une petite affaire avec eux aujourd'hui. Suive-moi. Il y a une petite chose qui est vraiment dangereuse dans la vie. Cet homme lui donne un conseil. Moi, explique-vous l'histoire, vous êtes capable de comprendre. Arrive à un certain moment, lui donne conseil à Absalom. Lui dit à Absalom comme ça, allez, prends un armée, allez à tuer ton papa David qui est dans le désert. Là, Absalom pas fin écoute ce conseil. Absalom fin écoute conseil de Hushai. Hushai fin dit à Absalom. De la part de David, il frustrait le plan de Achitophel. Et il finit dire comme cela, pas aller parce que tu n'as pas un vaillant guerrier. Si tu vois l'attaque-là pour cette client en bas. Mais Hushai, tu peux dire ça pour détruire le plan d'Achitophel. Achitophel finit tellement senti blessé parce qu'il dit moule pas de finir écoute-le. Il finit seul cela, il retourne à casa, il met le pendis. Quelle chose affecte un homme comme ça? Le mot principal, le troisième point, c'est ton ego. E-G-O. Amen. Ego, c'est une affaire vraiment, vraiment dangereuse, surtout quand tu es là pour pardonner. Ego, c'est quoi? Je vais vous donner une définition bien concrète un petit moment. Mais je vais prendre une explication pour capable expliquer. Là, qui me peut tenir dans mon main, c'est une enveloppe. Ok? Il y a une enveloppe. Une enveloppe, l'enveloppe est une lettre là-dedans. Ok? Donne-moi bien, je vais expliquer qui ça veut dire l'orgueil et qui ça veut dire ego. Cette enveloppe, je vais écrire. Sorry pour moi l'écrire. Cette enveloppe, je vais écrire l'orgueil là. L'enveloppe là, l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Vous pouvez venir avec ma définition intimement, mais mon vie explique ça, vous êtes capable de comprendre.
L'orgueil, c'est qui moi une autre l'opinion le moi-même. Pas tous moi pas pour pas ordonner, moi une bosse, moi fais attention. Eh, hey, moi, toi, tu besoin humilier, toi, ça c'est l'orgueil. Mais l'ego, c'est quoi? Ego trouve à l'intérieur de ton orgueil. Amen. Ça c'est l'ego. L'orgueil nous capable contrôler. Comment Dieu dit, humilier-toi, nous capable contrôler. Mais ego lui rester. Qui arrive dans ego? Ego, c'est ça même qui m'a dit, mon tous mon boubou, mon pas pour pas ordonner. Ça même ça. Et c'est ça vraiment l'ange. Et nous trouve ego capable de tout ou. Comme Architopel. Regarde qui n'avait, il n'est pas capable de dire qu'il y a un démon, il est capable de donner un plus bon conseil. Regarde ça comment c'est grave. L'inale, mo pas capable, imagine-moi, comment se fait-il? Comment se fait-il maintenant? L'inale, à cause de son ego, l'invini, il prend un lacon, il met de son licou, il mort, il prépare sur la case, il mort. Ego capable de tuer toi. Maintenant, c'est quoi? Tenez-moi bien. L'orgueil, c'est l'enveloppe. L'être, c'est ego. Mais tous les deux font un lettre. Tous les deux font un lettre. Maintenant, dans sa lettre là, est dans ton ego qui est dangereux. Mais il compte, beaucoup disent, moi, je ne vais pas orgueiller, moi, non, tu es dans l'ego. Il paraît. Pareil comme un lettre, il paraît. Maintenant, tenez-moi bien, il y a important qui m'a dit où là. Tenez-moi bien, il est extrêmement important. Maintenant, pareil comme je suis capable de détruire l'écho humain, ce l'âme restée. Pareil qui m'a qu'à détruire pride, mais ego resté. Comment m'a besoin de contrôler ego? C'est trop simple. Comment m'a contrôle ego? C'est trop simple. Ego est là. Je trouve ego là. Ok? Je prends un mot métier dans mon Bible. Quelqu'un trouve ego? Quand ego? Ego n'est pas là. Tant que tu prends ton ego, tu mets li. Si je dis dans l'église, moi tu vous dis un autre mot. Dieu permet de m'en dire. Si tu prends li, tu mets li dans la Bible. Bon, côté ego, je ne vois pas ego. Ego n'est pas là. Ego n'est pas là parce qu'il rentre dans la parole. Saisisse la parole qui peut casser sa ego là. Bon, pour être franc avec eux, beaucoup de nous, mon serviteur de Dieu, nous allons aller. Bon, prendre l'exemple de l'ego comme tout, beaucoup de chrétiens. Vous connaissez, on est déjà allé à corriger un dimon. Quand vous allez corriger un dimon, vous avez tous tout, pas tous sur ego. Comment tous sur ego, il vient contraire, il vient rebelle envers vous. Mais c'est moi, ça ego l'aime qui peut tuer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bon, pour prendre. Je vais écrire un livre pour ne pas rater. Okay? Maintenant, je vais expliquer ce que l'ego c'est quoi. Ego, c'est une conception de te penser. C'est une conception de toi. Je vais expliquer l'ego. Je vais écrire le mot cozy en anglais. Attends, ceux qui ne comprennent pas trop en anglais, je vais cozy en créole pour que tout le monde comprenne. Ego is what you think you are, that is not actually what are you. Ego is what you think you are, that is not actually what you are. C'est qui toi te fais penser tu étais. Ego, c'est qui toi te pensais tu étais. Mais c'est moi, c'est pas ça qui tu étais. Toi te fais penser tu ça. Mais c'est moi, c'est pas ça qui te supposais être. Et ça, ego là, il est dangereux pour toi. Amen. Maintenant, moi peux expliquer ça. Pride, un checklist. C'est qui un checklist, pour prendre l'exemple. C'est qui quand comprend moi, vous comprend moi. Je connais avant un avion, il décollait. Et notre pilote et copilote, je t'assisais. Je checkais si pas tout à fait correct avant de décoller cet avion. Et une checklist pour guetter si pas tu es dans l'orgueil dans ta vie. L'orgueil et l'ego. L'ego m'a causé, vous pouvez nous là intimement. Mais seulement une checklist de te dire frère, moi mon pénal, moi mon humble, moi. Oui, tu es capable humble, mais tu es dans l'ego. Faire beaucoup attention avec ton ego. Ego, c'est quoi? C'est ton boubou, pas tout ce boubou. Te croire, vous prendre l'exemple, pour être capable de comprendre. Maintenant, vini, me dire moi comme ça. Tout le monde, moi je connais, moi un bon démon. Je vais prendre l'exemple, hein, pas besoin en colère. Je connais, moi un bon démon. Un démon, il dit, frère, moi un mauvais démon. Au fait, moi je peux croire, moi un bon démon. Quand il peut trouver, moi un mauvais démon. Ça veut dire que quand il tous mon boubou, il peut faire moi sauter. Le mot exact, c'est qu'il peut faire moi sauter. Beaucoup de démon, ils mettent une muraille autour de sa ego là. Et aujourd'hui, regarde qui t'est arrivé. Un exemple simple dans la Bible, et il y a beaucoup d'exemples que je suis capable de prendre. Mais un exemple simple de la Bible, c'était l'ego de Pierre. Pierre, il me dit comme cela, Seigneur, moi, tout le monde pour sauver, moi, je vais débuter avec toi, je vais mourir avec toi. Jésus-Christ a dit comme cela, Pierre, je dis même que vous régnez moi trois fois, Pierre. Son ego vient sortir. Amen. Et il y a une petite chose, il est connecté. Ego, il trouve dans pride. Moi, je vais détruire pride. Pareil que moi, je vais détruire une enveloppe. Mais c'est moi l'état resté. Comment se fait-il pour doubler ça?
mettre dans la parole. C'est juste la parole qui est capable de couvrir ton ego. Maintenant, et pride checklist. Un checklist, c'est que quand tu es dans l'orgueil et tu es dans l'ego, quand tu es dans l'orgueil et tu es dans l'ego, tu n'es pas pour écouter aux autres. Deuxième, tu n'es pour jamais te pour descendre de l'opinion. Tu es capable de me prendre un exemple. Tu penses que si mes besoins en rose, un dimon dit à toi, venir si mes besoins en coltan, tu n'es pas pour écouter. Ce qui toi, tu es dans la tête sainte, tu es pour faire. Deuxième, troisième, tu crois que tu es plus meilleur que les autres. Quatrième, tu penses que beaucoup de monde ne peuvent pas venir à ta cheville. Tu penses que tu es capable de step over tout le monde. Cinquième, tu penses que tu as beaucoup d'expérience et que tu es capable, pardon moi, couillonner les autres. Sixième, tu penses que tu es tout seul, tu as roulé tout quelque chose. Et beaucoup aussi franc, parce qu'au niveau de l'église, nous ne connaissons pas comme ça. Beaucoup de monde pensent qu'un pasteur, il y a qu'à faire tout. Juste tout. Lui-même pour danser, lui-même pour faire ceci, lui-même pour faire ça. Non, non, non. L'église, c'est nous tous, nous besoin chacun, un puzzle. Chacun besoin chacun pour être capable de faire le travail. Sixième, on finit de dire. Et septième, c'est que tu as tout à croire qu'il te tout seul qui prend la bonne décision. Et aujourd'hui, dans un foyer pas pour capable de rouler comme ça. Et la case d'une famille pas pour capable de rouler comme ça. Nous besoin qu'on abaisse nous, qu'on besoin abaisser pour capable faire la paix de toutes choses. Mais une petite chose aujourd'hui, on peut terminer sur cela, il est important. Nous ego, il est vraiment, vraiment, vraiment dangereux pour nous-mêmes. Parce que quelque part, si nous pas baisser ça ego là, nous prend lit, nous pas mettre la parole là-dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Amen. Je termine sur cela, mais mon partage, frère, moi, mon pas pour pardonner, tous ceux qui ont causé, moi, pour causer, mon cause un petit quelque chose avec eux. Garde eux relax eux cause d'été. Pose la Bible à côté, donne-moi l'attention. Jette l'attention. Toute l'attention, c'est qu'ils ont besoin. Jésus-Christ, il vient envers un orbe. Et sa orbe-là, c'était un figuier. Figuier, donne-moi bien. Figuier, sa figuier-là, tu es bien spécifique, mon vous dis pourquoi. Man figue dans Israël, dans le pays de la Palestine, man figue là-bas. Je commence à gagner une petite feuille dans le mois que Jésus-Christ était. Petite feuille. Je ne commence pas à gagner beaucoup de feuilles. Parce que figue, ce fruit, il saute directement dans ce tronc. Et commence à gagner une petite feuille. Et sa petite feuille-là, il commence à grandir dans le mois de mai. Et dans le mois de juin, la fin de juin, commence à gagner une figue. Mais cette orbe, il finit à gagner tout ce feuille. Mais c'est moi qui partit dans le fruit. Pour moi, personnellement, Jésus-Christ, il a une vigne vers lui. Il trouve un arbre qui peut montrer tout ce fait, mais pas tenant le fruit. Et regarde Jésus-Christ qui me dit. Jésus-Christ qui me dit à cet arbre, « Mon maudit-toi et te pas pour porter aucun man fruit. » En tant qu'enfant bon Dieu, combien parmi nous nous peut montrer 10 feuilles, nous pas peut montrer le fruit. Le fruit, c'est quoi? En tant qu'enfant bon Dieu, combien de monde à l'église, je dis bien ces affaires. Moins chrétien. Et regarde qui la Bible claire. La Bible sainte et la Bible claire. La Bible dit, moi pour reconnaître l'arbre par ce feuille. Non. Moi pour reconnaître l'arbre par ce fruit. Et aujourd'hui, qui te donne le fruit dans toi. Le fruit de quoi? Le fruit de mon chrétienté, c'est qu'il m'a pardonné, dit mon. Le fruit de mon chrétienté, c'est qu'il me display, me montrer la gloire de l'éternel. Le fruit du de ce qu'il m'a fait faire, c'est une bénédiction. Et aujourd'hui, mon vie partage une affaire avec toi aujourd'hui. Dieu pas pérote te feuille. Non, Dieu pérote te fruit. Et si mon cave élaborer le feuille, c'est quoi? Me prends un lit comme cela et me montre eux dans la simplicité. Quand on vit un chrétien, la parole rentre dans mon équerre. La parole, c'est la graine, il rentre dans le terrain. Et tout le monde qui a fait l'agriculture, je vous comprends que vous autres. Quand on prend la graine, on met dans la terre, moi arroser, il pousser. L'arrosement, c'est la prière, il pousser. Quand pied là commence à pousser, il commence à montrer ce man feuille. Il montre une stase de simplicité qui maintenant vous pouvez développer, vous pouvez devenir un chrétien. Et aujourd'hui, il y a une différence entre porter une feuille et quand tu portes un fruit. Porter un fruit, il faut que tu arrives à une certaine hauteur, à une certaine maturité, à une certaine qualité dans toi. Maintenant, tu es assez fort et solide pour commencer à produire un fruit. Beaucoup de chrétiens sont encore dans le stage de feuille. Bon, pour être franc avec vous, le matin, Dieu, le Saint-Esprit peut connecter ça. Le matin, moi, tu peux lire le livre de 1 Corinthiens 13 qui parle d'amour. Quand je te guette-lis, de trouver l'amour et passion. Quand je descends le verset 11 en bas, il dit une petite chose. Il dit comme cela, quand j'étais enfant, je peux penser comme un enfant. Quand mon vin est grand, dis-moi, mon besoin abandonne la façon d'un enfant, mais mon besoin est grand. Ok? Quand je t'allais, je te carré.
Et pour moi personnellement, mon envie de partager une petite chose encore avec vous. Ok? Et la chose c'est que quand tu peux, donne-moi bien, quand tu peux remontrer pas feuille de ma fruit, là tu peux trouver qui peut être un enfant bon Dieu. Amen. Beaucoup de mes chrétiens ne connaissent pas une feuille ou fruit. Nous connaissons qu'un chrétien, quand on corrige lui, nous finit connaissant pas une feuille ou fruit. Quand un chrétien, quand il peut passer dans une circonstance difficile, ou connaît pas une feuille ou fruit. Un chrétien, quand il est vraiment dans un moment, quand là il est vraiment troublé, ou trouver que quelque part il peut faire face, il peut déboute, il peut aller de l'avant, il peut manger, il madre, ça on connaît, il peut porter le fruit. Et la Bible claire, et la Bible vient montrer nous que Jésus-Christ pas une autre feuille. Jésus-Christ une autre fruit. Tout ce que même diable bizin porte mon fruit. Et pour te porter un fruit aujourd'hui, sois fort. Si ta belle-mère, beau-père, maltraite toi ou quelque part, dis-moi. Si toi, tu maltraites, dis-moi, elle demande pardon. Porte le fruit de Jésus-Christ et qui te trouve mon sens, moi qui est arrivé dans ta vie. Et bien, portant cela. Je vais terminer dans quelques minutes, je vais terminer. Et ce qui me tient pour dire aujourd'hui, il est important par rapport à Jésus-Christ ce qu'il vient de faire. Jésus-Christ vient de venir. Trouve le feuille et fin dire sa pied là sec. Aujourd'hui, si tu te sentis de te la vie financièrement, matériellement, spirituellement, te paix sec, c'est le temps, mon frère, mon soeur, pour nous porter mal fruit. Et comment nous porter mal fruit? Nous vîmes à la maturité d'un chrétien, comme un chrétien vis a été. Vive la Bible. Tu connais comment moi, vous trouvez une différence? Pour prendre l'exemple, comment mon caravane en fruit, mon rendre une place d'un travail. Moi, je suis un 5, je suis un 6e, je suis observé. Je suis un chrétien qui fait, mais je suis un chrétien qui fait, dans une seule place de travail. Un an, je suis un patron, je suis un lève avec lui, je suis un dit qui soit, il répond, il prend 16, il crase ce patron sur la tête. Ok? Ça, c'est un type de chrétien. À ce patron-là, quand il tombe, tout le monde pas content, patron-là. Patron-là peut crier avec douleur. Un autre chrétien vient venir, il prend patron-là, qui personne pas content. Il soigne, il met dans son propre tour, il amène l'hôpital, tous les jours il est à l'hôpital. Quand il patron là, il bien patron là, il rémaltraite, il récontent patron là. This is the fruit. C'est ça qu'il nous appelle le fruit. Je peux comprendre maintenant qui m'a pour dire, just download it from hand. Je ne sais pas si l'exemple là, mais c'est mon reporter à savoir, on n'est pas y approprié pour un geek. Mais nous besoin porter le fruit et nous besoin display, montrer la gloire de Dieu à ça, le monde qui perd dans la nouveauté. Mais on vit déjà cette affaire. Nous sommes dans le dernier tournant de l'histoire. Dans ce dernier tournant-là, tout ce qui est noir pour venir bien noir. Et aujourd'hui, qui nous avait la lumière, c'est le temps pour nous la vie nous évangéliser, pour nous la vie nous dire et nous dire qu'il nous est un enfant bon Dieu. Amen. Et aujourd'hui, si tu te trouves, te finances, fin dry up. Te trouves, te finances, fin sec. Te trouves, te relations, fin sec. Remettre la parole, porte-moi de fruits. Te trouves, tout quelque chose, reprends ce place. Amen. Bon, vraiment quoi qui te fin et recevoir la parole aujourd'hui et aujourd'hui me porter ça avec toi. Dieu compte en toi. S'il y en a un qui ne fait que le Seigneur, Dieu compte en toi. Aujourd'hui, à le pardonner, à le relâcher. Tu es capable, pardonne-moi, donne-moi bien. Tu es capable de maltraiter à cause de le pardonner ça, Dimouna. Maintenant, capable de rire toi. Blier ça, rire là. Faire ce qui la parole de Dieu dit à toi faire. Écoute, dis ce qui ça dit à toi faire. Et il y a une grande puissance là-dedans. Ce qui. Si toi, qui te l'est, être de ton côté, des hommes ou Dieu, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Fais ce qui bon Dieu dit. Et aujourd'hui, moi pour me terminer, et aujourd'hui, nous pour prier. Et ce qui moi pour prier aujourd'hui, moi pour prier qu'il y ait une réconciliation générale dans toutes les choses, dans vos familles, dans vos travail. Il y a pourtant pour y avoir le pardon, il y a pourtant, regarde Jésus-Christ qui me dit, Jésus-Christ qui me dit, te pardon, fais des pailles dans la saison. Fais des pailles dans la saison. Un dimon vient demander ton pardon. Millions de fois, 7 fois 7, 7 fois 77 fois, Jésus-Christ peut dire, c'est boundless, c'est la multitude, c'est au-delà de manière de penser. Pardonner, combien tu as besoin de pardonner, pardonner. Et il y a une bénédiction là-dedans. Ça pour relâche-toi dans le nom de Jésus-Christ. Moi, terminer ce matin, moi, j'espérais de prendre la parole, moi, tant que vous priez. Nous dis à Dieu merci pour cette parole et moi, vous priez intimement avec vous. Pour moi, qui fait bizarre. Man qui t'aura dans notre vie. Nous dis à Dieu merci. Papa, me glorifier toi, merci pour te la grâce, te l'amour, te puissance, Seigneur Dieu, papa. Moi les louer toi, Seigneur Dieu, pour ta bonté, pour ta fidélité, papa. Moi les célébrer, louer toi, papa. Merci pour la parole. Merci, papa, me prier toi, Seigneur, que ta lica la bonne semence sur la bonne terre.
Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Me louer, célébrer, glorifier toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen, 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 amen. Mettez la main de l'équerre là-bas, là côté tu étais. Et il y a une personne dans qui peut écouter aujourd'hui. Alléluia. Il y a un man parent qui est à l'extérieur et il n'y a pas fini réconcilié assez longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur dit à mon enfant, aujourd'hui, faire le nécessaire, contacter sa man dimouna, relâche-toi de sa force de là, parce qu'il sait même qu'il peut bloquer de la vie. C'est une des raisons que tu as de trouver qu'à chaque fois, tu n'es pas capable de décoller de la vie spirituelle. Te sentis-toi lourd. Aujourd'hui, le Seigneur dit à toi, relâche sa man personne là. Amen dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prier pour tout man qui kenne aujourd'hui, qui a un problème par rapport au manque du pardon. Et aujourd'hui, c'est un lacet. It's not from God, it's from the devil. Le diable qui fait cela. Aujourd'hui, pose la main de tous les cœurs et Dieu pour casser la scène. Ce n'est pas l'homme. Écoute-moi, l'homme n'a pas fait un miracle, l'homme n'a pas fait un ornier, mais c'est Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole. Pose la main de tous les cœurs et nous prier aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus-Christ, vous priez toi pour mon manque de pardon, mon quelque chose que le diable peut regarder dans la captivité. Alors, I break it. Me brise-lui dans le nom de Jésus-Christ. Et me demande de la grâce, de l'amour. Te diffère ta présence. Me libère, Seigneur, sa manzame là. Et Seigneur Dieu, Papa, que là, et n'en la joie, et n'en l'amour, et n'en la paix, et n'en diffère qui pour mouvoir dans ce lieu, Papa. Me glorifie toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Me dis à toi, merci, Père. In Christ, Jesus' name. Amen. Si ce matin te vient, quitte-toi par rapport à ton travail, est-ce qu'il faut pour God votre travail, pour le confinement, qui peut arriver, et une seule chose qui peut vous dire, nous vous priez pour Saman Dimona, Dieu il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pas inquiète-toi, fais à Dieu confiance, et une chose qui la Bible dit, le livre de Matthieu chapitre 6, c'est ce qui quand tu inquiètes-toi, il peut ajouter un coudé de ta vie, non, aujourd'hui, get assured, get rest, prends-toi, casse-toi dans la parole, c'est dans le calme et la confiance, là qui te la fausse côté. Bon, pour prier pour Saman Dimouna, et nous connaît Dieu notre plan meilleur. N'importe ce qui arrive, fais Dieu confiance. Si arrivé que quelque part, te donne compagnie, bon, pour être franc avec toi, bon, content d'y aller, bon, pas pour arrêter d'y aller. Te connais, si te donne avion, soit te donne bis, ça, bis, fait un accident, soit un crash. Lis pas pour crash parce que toi, tu es là-dedans. Et si aujourd'hui, te donne compagnie, pas pour arriver, n'en tant toi, tu es là-dedans. Et tu as besoin de ça, l'assurance, là. Pas douter. Et aujourd'hui, nous prions pour toi. Et nous connaît que tu as Dieu pour restaurer toute l'économie, Dieu vous trouve un chemin, une solution. Et pas oublier, quand tu passes dans le désert, il y a le meilleur qui vient en toi. Nous prions pour toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Père, vous priez pour toi. Et Seigneur, vous priez pour cette personne, Papa. Vous priez pour Saman Dimouna, Seigneur. Et vous demande de la grâce et de l'amour dans la vie. Et je dirige, costez-je plus près de toi. Papa, vous connaissez de l'avenir, ni dans te la main. Seigneur, te pas pour les autres, te pas pour abandonner les autres. Te dire dans tes paroles, te vous garde comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, vous priez toi miraculeusement, miraculously, Seigneur. Te pour garde, Seigneur Dieu, Papa, je travaille, Papa. Et me connais n'en est pas pour arriver. Parce que tu es un Dieu qui te pour garde dans te la main. Jésus-Christ te dit, le Père est plus grand que toutes choses. Le Père te garde nous dans ton armée et nous connaît, we are secured in your hand. In the name of Jesus Christ. Amen, amen. Tout ce que tu as même dit à moi, les enfants, mon Dieu, et moi, dans le meilleur pour moi, puis attendre moi. Amen. Voilà, nous rayons fin, tiens, sa fin. Et mon faire les annonces et mon vie encourage. Ok? Et nous pouvons trouver que là, le confinement est prolongé. Mais nous, au niveau de l'église, nous pouvons faire le maximum pour joindre nous à la maison et dans ma réunion de sœurs, ma réunion de couple, de jeunes. L'école des enfants pourrait prendre très bientôt et au niveau même online, ok, Mopé travaille sur cela. Nous travaillons sur cela pour être capable de structurer tout ça, man, quelque chose, amen. Et ce qui Mopé demande nous aujourd'hui, nous reste nous calme. Nous pouvons faire nous, au niveau de l'administration de l'église, nous pouvons faire tout qui nous capable pour rester, pour venir avec vous à la maison. Pour garder, pour capable structure et des choses. Amen. Et pas oublier à partir de demain, une semaine de jeûne et de prière, l'église de Seal Church peut garder une semaine de jeûne et de prière. Même si ce n'est pas l'église que nous gardons une semaine de jeûne et de prière, prier avec nous, consacrer avec nous, et que Dieu est capable d'aider nous pour nous surmonter, nous mettre en circonstance et nous mettre en situation. Amen. Et mardi, et nous sommes dans nos réunions et à 19h, live, nous pouvons faire pour nos réunions de délivrance. C'est un moment, c'est un plateau, c'est un l'environnement, surtout si toi, de nouveau, nouvelle, joigne-nous, nous avons trouvé qu'il y a une organisation bien placée pour nous capables d'accueillir The Tour et sur Seal Church,
Mardi, c'est une réunion importante que tu es capable de recevoir la parole. Si tu es malade, si tu as besoin de la prière, si tu as besoin de ta délivrance. Même, ce n'est pas l'homme, pas tant qu'il y a un homme posé en milieu de toi, mais la parole, la puissance du Saint-Esprit capable de tout ça à la côte de toi. Mardi et vendredi, nous pouvons rentrer profond dans la parole, nous pouvons demeurer profond dans la parole. Joignez-nous vendredi pour mon étude de la parole de Dieu et de capable suivre vendredi. Et dimanche, on se voit à pareil à 10h pour nos réunions de culte. Amen. Et dimanche, 9h30, nous prenons le lien et le page de Seal Church. Clique là, vous êtes capable de louer, adorer ensemble avec tout le monde et qui est l'église, de faire ma louange, adoration, vous êtes capable de louer, adorer et c'est important qu'il soit capable de connecter avec nous. Amen. Dieu bénisse vous, la grâce mondiale accompagne vous et une semaine de jeûne et de prière cette semaine, très bientôt nous vous communiquons avec vous. L'école des enfants, nous vous communiquons avec vous et malgré un jeûne qui fait des ans pour être fait. Et aussi, nous venons très bientôt la bonne nouvelle et réunion sœur et aussi une réunion pour mon couple très bientôt. Mon père annonce ça bien en avance et qui me communique ça avec vous au nom de Jésus-Christ. Moi, bien content pour vous. Coucou à tout le monde. Bon dimanche. Soyez forts dans le Seigneur. Le Seigneur est dans le meilleur pour nous et que la grâce et que l'amour de Dieu y accompagne. Si tu es malade, recevoir ta guérison. Si tu n'es pas bien, recevoir ta délivrance et le sang de Jésus-Christ. Les couvert toi dans le nom de Jésus-Christ. On se voit bientôt et que Dieu bénisse. Amen. Merci. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce ben camarade qui crier lui, ben a fin arrêter lui et condamner à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin battre lui et lui un coup de fouet. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, l'insoye sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce tracé, du monde qui peut battre lui, maltraite lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue, avancer. Jésus est capable d'éviter la croix. Faire du fait tomber depuis dans le ciel. Ou ça, au donne ce bon ange vient s'écouler. Mais Jésus pas t'y intéressé pour sauver lui-même. Mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher-toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui et un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière-là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment m'aider? Pardonne-moi mon bonne faute. Pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, me reconnaître que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es venu sur la terre, tu donnes la vie pour moi sur la croix. M'accepter toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de ma vie n'appartient à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître. Et moi, les enfants bon Dieu. Moi, je te remercie, Jésus, te compte en moi. Merci, Papa. Et merci, Saint-Esprit. Alléluia. Me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de toute l'équerre, nous avons envie de prier pour toi. Viens-en avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vacoa. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi. Encadre-toi et montre-toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.